Nickel. Pyrrhus est même pas là pour admirer. C'est pour ça, faut en profiter, faut... Raton tant qu'il est pas là. Parce qu'après, il va nous refaire chier. C'est une dinguerie, on est passé de 70 000, 80 000 à... Bah 160 000 en quoi, en 20 minutes là. Bah 170 000. Bébé. Alors, ce qui nous manque. Capuche médiévale et pantalon médiéval. Donc c'est capuche. Elle. Parfait. Et on va même pouvoir l'améliorer. Avec les points de credo. Ça, c'est fait. Attends, faisons le point d'ailleurs. Arme, elle est à fond, elle est améliorée. Le pistolet, il est amélioré. Amélioré. La tête, elle est améliorée. La poitrine, améliorée. L'avant-bras, amélioré. La taille, améliorée. Ok, donc tout est bel et bien amélioré. À part le pantalon qu'on doit acheter, quoi. Pantalon médiéval. Donc lui. Qui coûte 165 000. Et ben on sait quel est notre dernier but niveau équipement. Et ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Bah maintenant que c'est libéré, on va nettoyer un peu hein. Emma, il y a du meurtre, il y a du récit, il y a de l'énigme. Oh là là, magnifique. Là, il nous manque une cocarde dans la zone et trois coffres. Sachant que toute cette zone-là et les quais-là, on les a pas fait. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça soit dans le coin. En vrai et de vrai. Je pense que ça doit être par là. Y'a pas beaucoup de bâtiments en soi dans la zone là. Y'a un mec qui se fait tailler là en deux là. Merci Ludo pour le prime. Zone interdite là ou pas, je comprends pas. Genre si je viens vous vénérez. Non. Genre d'un coup. Putain, ils m'ont ruiné un truc quoi. Oh. Putain, ils ont tout ruiné les mecs. Oh, super.
Retenez votre bras, par pitié, je n'ai rien fait de mal. Zéro effort. Il pleure ? Brisez-leur le crâne sur le sol ! Les rues sont chaque jour plus dangereux. Non. Alors, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va longer ici. Je comprends pas, c'est quoi comme zone là? C'est de l'eau? C'est des étangs, genre. Je comprends pas. Genre, il sert à quoi cet endroit là? Il peut y avoir des coffres ici, genre. Il peut totalement y avoir des coffres ici, hein. Genre la baraque là. Y a rien? Ouais, y a rien en fait. Particulièrement hideux. Ok, pourquoi pas. Quel est l'intérêt de cette zone? Ici, il y a un coffre. Oh, le ching. Maudit contre-révolutionnaire, aucune chance. Oh bah gérer d'une main de maître ça. Toujours pas nécessaire. Et de 1, il nous en manque 2. Bah la zone bleue là, c'est sûr qu'il y en a là, non? C'est quoi la zone bleue là? Salut les mecs. Il y a une cocarde ici. Et il y a le coffre, ok. Ok. Ah, y'a plus. Y'a plus. Occupons-nous de ce mal. Aïe. Oh, j'ai essayé, ça passe pas. Non mais là je peux rien faire sans... Putain, ils me font chier. Rappelez-vous la leçon de Saint-Jean. Putain, mais je peux même pas voir où il y a un mec sur la map. Cette nuit, approchez et achetez. Il y en a un, mais. Caché dans le foin. Ils sont en train de mourir à petit feu, regardez-les. Non, je ne suis personne sans mes bombes fumigènes. Hein. Je me sens pas bien. Ils ont des pops. Oh bah ça c'est...
Oh, attends, parce que je suis encore recherché là en soi. Bonjour, soyez le bienvenu. Parfait. C'est immune. Et on est bon. J'y retourne. Je suis rééquipé pour faire le bordel. Ils viennent pas, tant mieux hein. Il a du filet. Ouais, j'ai du filet. j'ai filé les mecs. Nickel. Aurait-il un petit coffre par ici? Ça c'est gratuit. Oh, y a bien un coffre qui se cache dans les quais, non? Oula, ah plouf. Je pensais pas que c'était profond. Voilà. Pardon. Là, il y a Nostradamus. Quel bonheur que ça recharge plus vite. Aïe 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 aïe. À la recherche du coffre perdu, épisode 59. Je crois bien. Ah oui, j'ai bien l'impression là. Parce qu'à mon avis, ce coffre-là... Non, il est pas dans la zone, lui. Alors, ce serait dans cette zone-là, peut-être là. Je sais pas trop, on va aller voir le récit parisien en attendant. Ouais, j'ai pas trop d'idée d'où il peut être. Putain, il y a du monde de fou ici. Salut! Avertir Mourat, infiltrer la position des chouans et saboter leur canon. Je suis le lieutenant Joachim Murat. Ouais. À cet instant, nous sommes au bord de la guerre civile. J'ai besoin d'un homme courageux pour infiltrer la position royaliste et neutraliser ses canons. Dès que je verrai la fumée, je donnerai l'ordre d'attaquer. D'accord. Ça, on l'avait vu, je crois. Oula. Non. Pas moi, moi gentil. Si tu t'ennuies, je peux te découper les boyaux. Ça te donnera de quoi t'occuper. Oh,
m'ont jamais trahi. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne fiche le corps. Méfiez-vous de lui. On bouge plus. Comme d'hab au final. Je vais te casser la tête. Ok. Gratuit comme ça. Et un carnage de plus par Arnaud et de 1. J'ai aucune fichterie idée de coffre. Hein. Plus ce genre de zone, à la limite c'est ça va par quand c'est les zones avec tous les bâtiments, c'est encore ok. Parce que t'arrives à délimiter là pour chercher là-dedans là. Alors déjà sabotons. Il est évident que la ville aujourd'hui disparue se tenait quelque part sur la côte est de. Reste où tu es. Je te tiens. Citoyen, tu dois être. Pas par ici. Oula. Bizarre l'anime. Alors là, je dois faire quoi après avoir saboté? Interagir? Je pense pas qu'il y en ait par ici parce qu'avec les missions qu'on a eues dans l'histoire, on est venu souvent ici. C'est tout ? C'est tout. Ok. Un nouveau récit qui a pop. En tout cas, dans toutes les tentes autour, il y a rien. Peut-être sur lui là. Je pense pas. Oh, cette tente là, ça m'étonnerait aussi. Hein. Là ça m'aurait étonné hein. Forcément dans les bâtiments là ou là. Peut-être les quais ici. Je les ai fait les quais ici. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus trop.
Alors, le récit d'après. Je viens de devenir un TikToker. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai peur. Oh, 25 000. Saboter 4 tours de télégraphe Chap pour empêcher les royalistes de transmettre un message aux troupes étrangères. Qu'y a-t-il, capitaine Dumas? Nous sommes en fâcheuse posture. Des sympathisants royalistes c'est le pot de veulent faire savoir au prince Ferdinand que nous sommes vulnérables. Des royalistes fomentant une invasion autrichienne. Dangereux. Dangereux et désespéré. Nous devons agir au plus vite. Si nous sabotons les tours Chap, le message ne sera pas transmis. Cela laissera à mes hommes le temps de se retrancher. Vas-y. C'est un peu fort. Sabotons les tours Chap. Comme il dit. Ne rend pas les choses plus difficiles. Bien, c'est la gita. Ah, c'est ça, ok. Laissez des troupes étranges. Voilà. Moins une. Ça vit pour le moment. Hop les... C'est ce qu'on appelle faire ça proprement. Pas de coffre ici. Ok, les autres tours sont vers les quais. Et B. Pourquoi tu veux pas descendre là, là? C'est normal. Tu m'as mis en MP. Je vous préviens. Vingt-huit sur 30. Ah, c'est chiant de bouger à une main. Kiribati Island. C'est quoi, c'est un truc que t'as créé? Oh, c'est stylé. C'est un petit pays que je connaissais pas trop. Enfin, pas trop. Pas du tout même. Là-bas.
Mais c'est lui qui casse les couilles. Coucou! Oh, au meurtre, au secours. Où a-t-il vu un meurtre? Non mais sérieux, tu sors d'où toi? Par contre, c'est moi ou le... L'énigme de Nostradamus va être très facile, les mecs, hein. Parce que les deux autres, on sait où ils sont. Et je crois que le premier, il est là. Alors, la dernière tour. Hop les... Parfait. Suffisait juste de saboter, ok. Bah allons chercher l'énigme de Nostradamus, comme ça elle est pillée. Putain, je déteste quand c'est comme ça, on va encore devoir chercher un coffre pendant 100 ans. Envie de crever. Alors, bonjour, Taurus. S'agitant dans l'air, faite de bois et chanvre, elle forme des mots. S'agitant dans l'air. Il y en a un là. Ah non, on l'avait vu qu'une fois. Hein. Alors. Me dis pas que ça... Sûr, c'est que c'est pas elle. Colorer le screen. Si c'est le screen du deuxième, je suis dégoûté sa mère. Franchement, je suis pratiquement sûr que c'est pas celui-ci. Non. Elle forme des mots. C'est vers l'arbre là? C'est un truc d'écrit là?
Et B. Bah c'est quoi cette affaire encore? C'était Taurus. Non, il y avait le interagir sur le premier. Arrête. Putain, pourquoi tu me le dis quand je suis à l'autre bout de la map? Je suis trop triste. Ça, ça tous les signes. Je te déteste. Putain. Écœurant. Ah bah vu le nombre de gardes, je vais pas toucher au criminel, hein. Force à lui hein. Esprit éduqué guide le flot des combats. C'est ça, éduquer c'est sur l'école. Oh, c'est pas le plus dur, ça va. Par contre, on peut avoir des énigmes où il y a 4 énigmes. Il y a un truc avec des ailes là-haut. Arnaud, mon ami. Oh, Arnaud. 7005 j'ai vu. Ok, rappelle-moi. Oh, je vais le baiser. Le Naruto. Parfait. Ça, c'est fait. Oh bah super, l'énigme m'a pas compté pour ici. Alors j'ai appuyé trop tôt. Oh, elle a compté pour là. Super, et lui va compter pour ici. Très bien. Pas de problème le jeu. Pas de soucis. Et bah il nous reste que ce récit parisien, le meurtre ici. Et on pourra partir à la recherche du coffre, hein. Quand on dit de lâcher, c'est pour lâcher, putain! Fais ça comme ça si tu veux. Alors, récupérer le courrier de famille de Thomas-Alexandre Dumas. Merci de votre aide pour cet imbroglio avec Joséphine. De rien. Bonaparte est tout en amouré. Je le croyais pourtant fiancé à une autre. J'ai une nouvelle mission. Bah, il est fiancé à une autre, ouais, figure-toi. Lorsque j'ai quitté les Antilles, j'ai laissé ma mère et ma famille. Seules des lettres et babioles,
Ne rattache ton corps à eux. Les Templiers me les ont volés dans l'espoir de m'influencer. Ils ont un repère près du cimetière, non loin d'ici. D'accord. Bah go, hein. Volons les lettres. Et si vite. C'est full aléatoire TikTok. Hein. D'un coup tu vas pas comprendre, ton TikTok il sera. J'ai fait quoi? C'est passé, je ne sais pas par quel miracle, mais c'est passé. Ce n'est pas normal. Alors moi je voudrais juste, s'il vous plaît, hop. Il y a un vendeur aux Invalides, a priori. Je suis obligé de grimper là. On va devoir se recharger parce que la strat fumine, il y en a plus là. Salut. Je voudrais des fumigènes, mon cher ami. Des munitions. Des lames. Et des lames furie. Parfait. Depuis tout à l'heure, quand je me balade, j'active, je spam la vision, mais pas de coffre en vue. Hein. Oh non! C'est pas la bonne zone. Oh, je suis écœuré. Oh, j'allais dire, oh putain, le timing. Oh, je suis dégoûté. Oh non, il est pas dur le platine. Il est tranquille. Oh, niveau 1, tiens. C'est rare, hein, niveau 1 ici. Hein. Alors, où est le mec à la lettre? Il est là. Jure, ça passe pas d'ici. Oh, ça va passer. Horrible. Oui, mais allez. Je vais t'avouer. Je commencerai par là. Voilà.
Oh les chiens. Le shoot. Mais je crois que c'est juste qu'il fallait deux balles, non? Je sais pas. Après j'avoue que sur ce genre de jeu, à chaque fois les armes, c'est horrible. Putain. Vous finirez tous au bout d'une pique, traître. Hey! Putain, le petit balcon juste pour poser quelqu'un, quoi. C'est terrible, ça. Alors, toi? Ah, lettre à Thomas Alexandre Dumas. Toi là. C'est le 30 sur 30 ça non? Oui, 30 sur 30. Il se passe quelque chose là-bas. Manteau fantôme de maître. Un peu naze. On va se mentir. Putain, il y a les failles ici. Oh, plus tard. Ah non, les deux failles là. Et entre les deux arbres. C'est d'avoir. Bon, alors en soi, il y a. Les seuls trophées, c'est compléter la map quoi. C'est laver la map donc. Faut juste faire tout ce qu'on voit sur la map. Eh bien, qu'est-ce que tu fais, chef? Vous ne connaissez que la violence, la suspicion et le chaos. Je déteste tuer, sauf quand il s'agit de tuer des sauvages comme vous. Citoyen, plus de gestes. Hop là, magnifique. C'est géré. Par-ci. Putain, on est déjà à 70 000. On va être à plus de 100 000 avec la mission là. En fait, on va l'avoir aujourd'hui, je pense, la dernière pièce du stuff. Je suis juste pas sûr d'avoir assez de points de credo pour l'améliorer. Alors, attends, où est-ce qu'il y a un escalier là? Ici. La cocarde est en bas. Est-ce que tu as la moindre idée de l'importance de ton garde ici? Viens ici, la chute. Arrête. Les lames qui font pas là. Mes lames en mousse. Tu vois à travers le brouillard toi. Payer ça. Hihi.
venir toi. Eh B. Putain, il m'a mis cher lui. L'émission, autant prendre les coffres et les cocardes qu'on croise, comme ça c'est plus à prendre. 32 000 dans le coffre. Oh, bon, en fait, à tout moment après la mission, on a le dernier équipement. Alors, descendons dans les catacombes. Bonsoir. De vouloir me tirer dessus. L'erreur. Alors maintenant que j'ai volé les trois trucs, faut que je te les ramène, c'est ça? Ouais, par là, Dumas. Eh bien, je vais te ramener tout ça. Bon, faut retenir, ici, il y a le meurtre. Faudra qu'on revienne. Bon, après là, avec l'équipement que j'ai, c'est pas très dur. Hein. Tu vas comme un bourrin. Et ça passe quoi. Espèce de sale bête vermine. Hey, ici, attends voilà. Un instant. Là, toutes les pièces de stuff, je peux rien avoir de mieux quoi. Il y a juste une pièce que je peux un peu améliorer, mais c'est tout. Oh, je dois refaire 1 sur 35 maintenant. L'enfer. Excusez-moi, je passe. Mais attends, mais c'est vraiment un bâtiment de merde celui-ci. Hein. On comprend rien. C'est ça? Non, merci. Merci bien. Parce que là, si je tombais, j'avais un peu la flemme là, tu vois. Salut, j'étais trois lettres. Oui. Oui. Celle-ci vient de ma mère, Marie Cécette. Celle-là de ma sœur, vendue comme esclave quand elle était enfant. Marie Cécette, et bien. Ces lessives n'ont pas de prix à mes yeux. Bordel. Et merci bien, monsieur Dumas. Merci bien, merci bien. C'était le dernier récit parisien de la zone. Il nous reste toujours ce coffre de mort. Hein. Il nous reste ce coffre à trouver.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que ça va suffire avec nos 32 000? Il nous faut 165 000. Joli bénéfice. Non, je crois que j'ai vu 142. Il nous manque 20K. Bientôt, bientôt. Alors, bah, je pense ce qu'on va faire juste pour le coffre, on va se TP ici, on va longer les quais. C'est l'un des rares endroits où je vois un petit peu. C'est un des rares endroits qu'on n'a pas fait, je crois. Alors, on va se foutre sur le quai, on va longer. Hein. Oh bah déjà tiens. Pas pour la même zone, mais bon, on prend. Je crois pas les avoir fait ces quais-ci. Hein. Et on est aux Invalides, si on trouve ici, c'est bon. Ça tombe bien. Même particulièrement hideux. Non, c'est une barque. Putain, j'ai un doute. Non, ma vision deck va pas jusque là-bas. Oh, c'est grave chiant comme zone, putain. Où le coffre? Ah, pour le moment, ça va, c'est pas le plus relou. Hein. On a déjà passé 40 minutes sur un seul coffre. Dans certaines zones. Qu'est-ce que je vais dire à maître François? Ah, ça peut être très loin. Le problème, c'est que c'est qui? Ils sont énormes. Ouais. Je crois qu'à partir d'ici, le problème, c'est que je suis déjà venu. J'avoue que cette zone-là, on l'a bien séchée depuis tout à l'heure. Hein. Bon, alors, sur le jardin des Invalides. Peut-être vers les battes. On va faire l'endroit où il y a les bâtiments. Halte, citoyen ! Halte, citoyen ! Alors, et ben voilà. Ça aurait été rapide au final. Et ici le petit coffre. C'était le seul endroit, le dernier endroit où j'avais pas trop. Donc ça devait forcément être là parce que les autres zones on les a bien séchées. Hein. Bon, les coffres c'est fait. Nickel.
Eh ben je crois qu'ici il reste juste le meurtre hein. Ouais. Ah oui, et l'énigme là. Ça comptait pour ici. Mais bon. En faisant le meurtre, on l'aura faite. Oh les meurtres, le truc chiant. Allez, on va spammer la première personne qu'on voit, on espère. Un soupçon de poison. Ruelle. Cadavre de femme bien habillée, très pâle, environ 45 ans, la cause de la mort n'est pas claire. Elle se serait étouffée. Marre de vomi et de sang. Elle a vomi ses entrailles. Fiole de verre portant les traces du même. Allô ? Dégage le nouveau lieu là. Cadavre d'un inconnu, apparemment un vagabond, vêtements miteux, sentant l'alcool, l'odeur putride de cadavre n'est pas due à l'ancienneté du décès. Hey, bouge plus, avortant. J'ai un mec. Oh, ta gueule. Maudit royal. Je l'ai cherché, hein, j'allais pas te faire chier. Hein. Bon, allons voir là-bas. J'allais pas te faire chier, j'allais pas te tuer et t'es venu, tu m'as cassé les couilles. Un peu bébête. Je peux me permettre. Alors, salut mon ami. Non mais c'est une blague, j'ai pas le droit de me balader dans cette ville. Viens donc. Bah. Ça t'apprendra. Alors, bonjour. Toi, t'es un vendeur de poison, c'est ça? Enfin, de poison. C'est le sac de ma patronne, Madame Baudry. Et elle n'est pas encore arrivée. Quant au flacon, on vend beaucoup c'est de lui. Tonifiants sans étiquette. C'est lui. Nicolas, notre chimiste, saurait s'il vient d'ici. Vous pouvez aussi demander à Samuel Marant. C'est sa patronne. Pierre. C'est parce qu'il n'aime pas. Remède. Je vais vous noter les adresses. Mais surtout, ne le dites pas, Madame Baudry. De toute façon, j'ai juste entre la flemme, c'est de la merde, ces trucs. On ne peut même allez, plus s'il te plaît, ça je veux t'accuser. Haine. Oui, oui. C'est le sac de ma patronne, Madame Baudry. Et elle n'est pas. Moi ? Je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Ça va, pardon. Ce produit, rien de plus. Ah, excuse-moi. Oh putain, mais c'est pas vrai ! Non, c'est bon, il reste là. Oui, ce flacon vient de chez Madame Baudry. Je le reconnaîtrai entre mille. Dieu merci. Cette mégère, oh, c'est lui. Elle me paie une misère et j'en ai plus qu'assez. Le citoyen Marant m'a fait une meilleure offre. Il faut juste que je me prépare un peu de tonifiant. Alors, si vous permettez... Oui, ce flacon vient de chez Madame Baudry. Je le reconnaîtrai en... Quoi ? Nous ne nous entendions certes pas très bien, mais je n'aurais jamais fait une chose pareille. Bon, bah c'est le mec qu'on trouvera sur le dernier lieu. Putain, merde. C'est chier. Qui a fermé cette porte ? Super. Le crime ne rapporte qu'une mort. Non, c'est la ruelle là. Oui. Ok, l'autre lieu est juste à côté. Putain, tu pouvais pas me donner l'autre lieu direct ? Bon bah c'est lui hein je pense hein. Hashtag analyse. Salut, pourquoi tu l'as tué? C'est l'apothicaire, bébé. Ce n'est pas l'un de mes remèdes. Vous voyez le bouchon?
J'y appose une marque lors de l'inventaire. S'il n'y a pas de marque, il vient de chez Madame Baudry. Cette voleuse dilue ses tonifiants avec d'autres substances pour en réduire le prix. Ça nuit à mes affaires. Et ceux qui abusent de ce produit courent à une mort certaine. Bois. Ce n'est pas l'un de mes remèdes. Vous voyez le bouchon ? Oui, c'est moi ! Mais combien oui. ai-je sauvé de son maudit poison ? Oui, c'est moi ! Oui, je l'ai tué. Je protégeais les citoyens de Paris. Cette femme méritait de goûter à son poison. Oh là là. Salut, chef, debout. Vous avez eu la chance de ne pas finir empoisonné. Allez, prenez une arme. Merci. Soyez bienvenus. J'ai eu quoi là ? Corps sec. Bon. Super. Oui, je suis raciste. Oui, et alors ? Lâche-le! Lâche-le, mécréant! Et ben voilà! Et ben écoutez, hop, les invalides. On coche. Oui, c'était le bruit d'un coche, ce que je viens de faire. Ouais, totalement. Attaquons-nous à Saint-Lambert. C'est parti, on continue. Le nettoyage n'est pas fini. Il est même très loin d'être fini, je pense. D'ailleurs, en fait, ça me stresse. Je vais pas mettre sur 58, je vais mettre sur 51. De toute façon, les autres, c'est du DLC, donc... Et la dernière fois, j'ai pensé, on fera le platine avant le DLC, donc tant pis. Il y a un coffre ici. Wesh. Ah ouais, mais tu veux trop prouver, Arnaud. On a des potes partout vu qu'on a libéré la zone, magnifique. Qui vit pour les satellites ? Oh, c'est pas nouveau ça. Hein. C'est pas nouveau le salaud. Il y a déjà plus. Il y a... Ok. Alors, il y a 6 coffres à afficher. Un peu abusé, si je peux me permettre. Franchement, je serais content qu'elle sera faite, cette zone, parce que je la trouve vraiment horrible. C'est pas des bâtiments collés et tout, c'est naze. Oh, bon, là, il y a un truc, c'est sûr. Méfie-toi, sale lâche. Y'a rien. T'es mort. Je vais allonger cette muraille, on sait jamais. Y'a rien. Mais même les récits parisiens ils sont pas affichés quoi.
Quel scandale. Bon, j'avais un doute sur le long de ce truc. A priori, cette zone fermière chelou là, c'est bon. Hein. Mais je l'ai pas vu. Je te jure, je l'ai pas vu. Bonne journée, Arnaud. Arnaud, comment te portes-tu? Putain. Plus ça puait trop, c'est bon, je connais les devs, c'est mes potes. Ça puait trop le long de leur petite muraille de mort là. Ça se sentait. 80 cocardes collectées, nouvel ensemble de couleurs débloqué. Bébé, ça c'est de l'information ça. Bonsoir. Ouf. Récupérer les mémoires du légendaire bandit Cartouche. Mais non, Cartouche. Que se passe-t-il, monsieur? Toi et moi. Nous aimons bousculer. Ah mais non, c'est toi Cartouche. Ah, oh, je suis un connard. Je m'appelle Cartouche. Oui. Ce nom t'évoque quelque chose? Oui, non. En effet. Cartouche était un héros du peuple, un amoureux de la liberté et un voleur. Ainsi qu'un c'est assassin. C'est quel le mec? Ah non, c'est Latouche. Il y a longtemps, battu à mort par les hommes du roi. Alors, pardonne mon scepticisme. Ta prudence t'honore, mais j'en ai la preuve. Sauf que mes mémoires ont été volées par les Templiers. Toujours eux, hein. On ne peut pas laisser les secrets des assassins tomber entre leurs mains. Toujours les mêmes. Je vais leur reprendre ce texte, citoyen. Ne serait-ce que pour connaître la fin de cette histoire à dormir debout. Très bien. Bon, par contre, avant... Wesh. Avant d'aller là-bas... retournons... Hein, voilà quoi. Après... Ouais, essayons d'analyser... Il est de ce côté. Parce que je peux pas l'escalader ce truc de merde. Je l'aurais vu sinon. Il est là-bas. Parce que ça je peux pas. Si ? Ah oui, non, ça me semble bien. Je m'en souvenais qu'on pouvait plus... là, par contre, je pourrais. Arrête ! Arnaud ! T'escalades des églises, des... T'as escaladé Notre-Dame et t'arrives pas à... Frère, vas-y. Coffre, c'est mignon. Allez, c'est fini pour toi. Oh. On va avoir un budget par contre quand on n'aura plus rien à acheter. Ah, je pense quand on aura acheté la dernière pièce, je vais m'en battre les couilles de fouiller. Ça va juste acheter des remèdes à 40 000 et Osef. Non, arrête! Je dois aller la rechercher. Oh, mais tu te fous de ma gueule, jeu de merde. Nougat. Bah c'est bon le nougat, il avait un peu de nougat dans les poches. Ah ça collait un peu mais... Ouais des fois ils nous donnent des bouts de dentelle.
Je veux pas savoir ce qu'ils ont fait avec, hein, mais... Salut! Que se passe-t-il, monsieur? Toi et moi, chut, nous aimons bousculer l'ordre établi, non? Je m'appelle Cartouche. Chut, chut. Et toi, Cartouche? Panier, panier. Panier, Cartouche. Oh, le chien! Ah ouais, ça fait du raisin avec les pieds. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut vraiment le faire, je crois, non? Mais tais-toi! Enfin, à l'époque, je parle. Maintenant, ils le font plus avec les pieds, si? Je peux espérer que non. Oh, le beau coffre. Ah mais non, mais ok, c'est un coffre pour une mission. J'ai vraiment la flemme. Discret. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Hein. Poil trop bourrin, un poil trop présomptueux. Ouais, je crois bien. Je crois que là, j'ai un peu déconné, quoi. Comme on dit dans le jargon. Oh, ça va, ils m'ont remis à côté. Oh, j'ai plus de remède. On s'en va rendre relou. Ça, grave relou. Tant pis. Va devoir sacrifier un peu de thune. Parce que sans remède, ça va pas le faire. Ah mais je sais pas, les missions principales, ça me dérange pas d'être discret et de prendre mon temps, mais j'avoue que les récits parisiens... Oh, autant y aller en mode bourrin. C'est plus marrant. Alors autant dire que par contre on ne va pas. Ah oui, ça fait 35K. Oh, si c'est assez. Les drames que j'ai juste noués n'ont rien de rassuré. C'est vrai que le gaz toxique je l'utilise pas du tout hein. Oh, le ching. Non mais regardez, on va être discret là. Ta gueule. À moi ? Ta gueule. T'as rien vu La chose à récupérer, le mémoire est là. Thank you.
super. Arnaud. Qu'est-ce que ça pouvait être? Partout les... Toto. Ah voilà, regardez, je suis discret. Fouillons, fouillons. Hop là. Oh mais ils ont des pop. La maladie. Oh, c'est honteux. Comment ça, ils viennent me chercher eux? J'ai fait quoi? Ta gueule. J'étais en plein dessus là. Non mais attends, c'est le Far West ou quoi là? T'es dessus et... Ah. Bon. C'est rien passé. Bon débarras. Tu vois, on lui vole les lunettes, boum. Ils ont 100 francs sur eux, les salauds. Hein. T'en fous 10, tu te fais 1000. Pouah, les couilles en or. Quoi. Un peu de poivre dans les poches. Pourquoi pas, après tout. Alors, on lui vole ses petites boucles d'oreilles. Mignon. J'en ai 5 des remèdes. Discret. Il marche dans le vide. Parler à cartouche. 15 km Volta. Magnifique. Franchement, hier j'ai eu un timing de roi. Hier je me suis connecté à 300 mètres de l'arrivée. Van Aert était déposé et lancé le sprint. Ça c'est du timing ça. C'est juste un timing de professionnel. Je l'avais pas eu elle. Oh bah même lui. Oh bah. Et parfait. Just approach.
Alors ça, c'est rondement mené, ça. Eh, hey, Pavitar, tu trouves pas c'est agréable sans le rageux dans le chat, putain. C'est magnifique. J'espère qu'il aura plus de choses à faire à 15h. Il se passe quelque chose. Non, pardon. Vous avez rien vu, vous m'avez pas vu. Le chien. Non, plus que toi en moins et c'est parfait, c'est le chat du siècle. En vrai. Salut. Mes mémoires, oui, donne-les-moi. À vrai dire, ce ne sont pas vraiment les miennes. Le vrai cartouche, Louis Dominique, a survécu à son exécution avant de devenir un assassin, comme c'est écrit dans ses lignes. Avant sa mort, il a remis ceci à mon prédécesseur, qui a lui aussi pris le nom de cartouche. J'ai poursuivi l'œuvre de ces hommes. J'ai volé aux riches pour donner aux pauvres. Robin des Bois. Et je n'ai pas ménagé mes efforts. Mais aujourd'hui, je suis un vieillard. Le temps m'a pris mes forces. Et je cherche quelqu'un à qui transmettre le flambeau. Un nouveau cartouche pour un nouveau siècle. Je vois. Et suis-je l'heureux héritier? Tu ferais un bon candidat, c'est certain. Perds pas le nord, non. Je vais suivre tes progrès et je prendrai ma décision le jour venu. Fin de 5 patates. Messieurs, c'est l'heure. Biscotte, petite biscotte. Il est vrai, la légende dit vrai. Nous avons le stuff ultime. Oh là 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 là. Voilà, et là, il n'y a plus rien à améliorer. Il n'y a plus rien à. Là, c'est juste. C'est juste du bonheur là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ah, plus de 18 barres de vie. Oh. Quand Pyrrhus va revenir, il va péter son crâne à compter les petites barres. Magnifique. Toutes les pièces de stuff qu'on voulait. Les plus fortes. Toutes améliorées. Bah maintenant, j'ai juste à se régaler, quoi. Et qui dit régalade dit ouverture de coffre et compagnie. Il manque beaucoup de choses, quand même, là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des zones qu'on n'a pas du tout... C'est quoi cette zone de brun là déjà là? C'est quoi ces collines de mort là? Qui a mis ça là là? Déjà ce qu'on va faire, on va longer la muraille là. Voilà, ça c'est du... C'est quelque chose d'exceptionnel. Halt! F4? Je crois qu'il n'y a plus rien le long de cette muraille de mort là. Ah ouais, il y a vraiment une colline qui sort de terre, genre. La colline du crack, magnifique. Sûr, il y a un truc. Eh oui. Eh oui. Qui aurait mis une colline sans rien? Un petit coffre. Pour les vrais patriotes.
problème, c'est que maintenant, notre argent ne nous sert plus à rien. Et point. Sors l'annonce. Ultra bizarre l'ambiance même. Tu vois le café théâtre, on va plus jamais y retourner au coffre. On s'en branle. Ok, la belle colline. Magnifique cette colline. Je sais pas qui a décidé de foutre une colline ici, mais il est fort. Hein. Petite colline en plein Paris. Alors. Toi, t'es posé là comme ça, là. Tu protèges rien, tu vas me dire. Tu es timide ? Ta gueule. Cocarde. Vu. Enfin, vu. Pas vu, mais... Ouais, cocarde là-haut. Voilà. Ah putain, il en reste une. Là, les bâtiments ici. Là. De quel côté es-tu, hein ? Oh non, Arnaud ! Putain, j'avais pas vu le fouin. Ça me fait peur cette histoire, il nous manque 3 coffres et... Bah, je sais vraiment, mais vraiment pas si... Ce qui nous manque, quoi. Enfin, les zones qu'on n'a pas faites. Et ça, c'est inquiétant. Là, il y en a un, mais je suis pas dans la bonne zone, là. Pas du tout. Bon, au moins, il est affiché. Bâtiment par bâtiment, que voulez-vous ? Maison Coulon. D'ailleurs, maintenant que notre argent ne sert plus à rien. Je vous souhaite la salut. Bienvenue. Merci. Voilà, maintenant que l'argent ne sert plus à rien. Oh, mais j'ai que 7000. Oh, nul. Moi qui voulais me faire un full remède à 15 là. Je peux en prendre 2. Toujours ça de prix. 29 francs. De retour à la bonne vieille époque. Il va se faire mal. Voilà, c'est fini.
Bah là, il n'y a rien eu. On va venir voir là. Viens ici, toi, que je t'écrase comme une... Ne rends pas les choses plus difficiles. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Rien non plus ici. Ça commence à me faire peur cette histoire là. Ici, y a pas de coffre, tu vas me dire. J'ai bien l'impression que tu as envie de te faire rosser. Y en a pas. J'ai rien fait. Délit de faciès. Mais était sur ces maisons là, si. Vous êtes là pour rien là. Quel enfer. Mais wesh. Voilà, j'avoue que... Bah, y a un coffre là avec vous. Oui. Oh, il va mourir. Allez, je vous aide un peu. Vous avez l'air un peu de galérer. Reste deux. Putain ! Et une cocarde et un artefact. Non mais... Il y a forcément un bloc de bâtiment qu'on a zappé en fait. Là, non ? Ici, je suis déjà venu ici où il y a le moulin là ? Le beau moulin. Ah oui, c'est ok. J'ai déjà eu cet objet donc, ouais. Ou alors les endroits où il y a les failles. Ah, je vois que ça. Hein. 2,5 km de l'arrivée. My canal. Tiens. Ah mais c'est là.
Je l'ai fait le triangle là? Je crois pas. Oh, il y a la classe en rouge, Van Aert. N'essaie pas de me tromper, tu as compris? Qu'est-ce que tu prépares, royaliste? Je ne vais pas me laisser maltraiter. Oh, Van Aert. Et je ne dirai rien. Un couteau de cette taille. Oh, Seigneur. Écoutez, inutile de le prendre. Trop fort. N'essaie pas de me tromper, tu as compris? Pas mérité, hein, ça va faire du bien. Hein. Je vous jure, c'est une folie. Hein. J'ai aucune idée. L'abus. Chocbar, pire zone du jeu. En fait, vu qu'il y a des artefacts, c'est forcément... Il y a un artefact, il y a un... Il y a une cocarde, c'est forcément un endroit où il y a du... Où il y a du bâtiment, en fait. Oh ! Bingo. Cocarde ici. Cocarde, coffre. Ok. J'imagine que c'est... Nous sommes tous à bout. Là, un récit. Ici, je suis jamais venu en fait. L'artefact est là. Bingo. C'est sûr, c'était une zone complète qu'on avait pas, quasiment pas fait. Qui met son linge à sécher ici? La honte. Il manque toujours un coffre. Le dernier par contre c'est une folie hein, mais... Viens ici.
Bon, au moins... on a la cocarde et le coffre. Et un coffre. On a le meurtre. Il reste un coffre. Où est la cocarde? Un escalier ici? Oui. Ah non. Bah, y a un accès via le toit alors. Bah là. Et je pense que la cocarde est sur le toit. Maintenant le maillot rouge s'est perdu demain, Van Aert. Je pense maintenant son objectif c'est de ramener le vert. Il a son étape, il a porté le rouge. Ah! Enfin la cocarde. Elle est sur la cheminée. Parfait. Des zones à zéro. Peut-être je me dis on l'a fait je crois cette zone avec l'escalier, non? J'ai un doute là maintenant, peut-être que je confonds les zones aussi, c'est grave possible ça, hein. Il y en a tellement. Il y a un monde en plus où je confonds. Mais il me semble qu'on a eu une mission, on a dû descendre là, non? Ah oui, c'est où il y a le meurtre. Oui, on a eu une mission ici. Merde. Bah tiens, tant qu'on est ici. Oh, il est là. Putain. Bingo. Nous on était parti à droite et il est à gauche. Putain. Ah, une bonne chose de faite. Oh, j'abuse. Ok, il me semble que le meurtre était à droite du coup. Il était là, non? Le tueur n'a pas pu aller loin, il est encore dans les catacombes.
Alors, graines de rosaire. C'est quoi ça, des graines de rosaire? Et ça coche. Un nécessaire de soins. Bible. Oh putain, il y a trop de zones. Oh, j'ai déjà la flemme. Tu vas me dire qu'il y a une adresse sur l'appel, c'est ça? Non, je vais par où là? C'est par là? Six lieux! Oh. Oh non. Ah mais non, mais c'est la zone... Yo. Oui, c'est une de nos bibles. Nous en distribuons tant à ceux qui cherchent la lumière du Seigneur. Et naturellement, c'est le sang du Christ, mon enfant. Ressentez-vous son appel? La chartreuse, ça ne vous regarde pas. Allez donc voir ailleurs, fainéant. Oui, c'est une de nos bibles. Nous en distribuons tant à ceux... Le Seigneur ne nous a pas confié cette chartreuse sans raison. Je n'allais pas laisser un paysan ternir sa réputation. Oh, c'est vraiment elle, la chatte. Voilà. La strat de s'en battre les couilles de ces meurtres de mort et de dès que tu croises quelqu'un, boum, ça marche, hein. Méritais-je de souffrir pour avoir accompli la volonté de Dieu? Oh. Je suis sûr que Philibert était animé de nobles intentions. Mais il aurait dû se méfier de la chartreuse. S'il y a une arme qui vous plaît, elle est à vous. Si. Dis-moi qui tu protèges. Oh, Pyrrhus! Ben on a tout, hein. Il nous reste juste les deux là. Ah bon, en plus les deux récits parisiens, c'est même pour terminer les récits parisiens d'ici. Parfait. Pas de manteau, sont en décembre, janvier, février. Pourquoi? Après, je suis d'accord avec l'une de tes informations, là, il est dit, hein, mais... Arrête-toi! Oui, toi! Je m'inflige ce gage. Ah ouais, mais t'as un problème. Comment ça, je m'inflige ce gage? Salut! T'es bugué ou quoi? Tortue, ours, serpent, papier, ciseaux. Trois hommes terrorisent tout le quartier. Ils volent, ils se battent, ils boivent, ils écoulent de la fausse monnaie. Ils mettent la main sur tout ce qui leur plaît. Et ceux qui résistent se voient menacés de la guillotine. Ils se sont même donné des noms. Le grand, c'est la tortue. Le petit sournois se fait appeler le serpent. Et le plus violent des trois, c'est l'ours. Et tout ça sous nos yeux, dans les rues, comme au marché. Ah ouais, la honte. Battu. J'ai compris que tu es royaliste.
Ce que je fais, c'est une strat comme une autre. Regardez cette mission en 2 secondes, magnifique. J'allais dire, je suis dans quelle zone là, what the fuck? À votre place, j'irai. Le baiser. Intéressant. Les gens ne respectent plus rien. Ah ouais, que des vauriens. Précis le move. Bien aimé. Oh regardez, il y a le petit chien qui protège mon coffre. Ça c'est beau ça. C'est magistral. Bah go faire ce dernier récit pour les invalides. Comme ça on sera bon. Alors, qu'est-ce que cette mission? Merci Titine. 2 ans, putain le boss. Récupérez les vers satiriques d'André Chénier. Vous là, êtes-vous la muse qui répond à mon appel? 2 ans. À la complainte d'un poète qui ne vise qu'à défendre l'honneur de la France. Essayez donc de prononcer le nom de Jacques-Louis David sans vous étrangler. Eh bien, j'ai écrit une série de satires décrivant la vie de ce méprisable propagandiste. Hélas, les derniers vers sont restés sous clé à mon domicile. Si vous pouviez me les rapporter, le peuple de France apprendrait la vérité sur David et ses affabulations. Et ma réputation serait à jamais assurée. Allez. Allez. Vous avez lu les derniers vers de Chénier ? Seigneur, j'ai cru en mourir. Eh bien, elle se fout de sa gueule. Je vais te trouver. Je ne suis pas trop.
Oh la brochette. Je comprends, hein. Là, tu vas souffrir. Non. Hop là. Facile. C'est quoi, ils sont en dessous? Il y en a en dessous, il y en a en dessus, c'est ça? Hop là. Les deux sont en dessous même. Ah mais d'accord, j'étais au dernier. Ok, le jeu de paume. Hop là, j'ai récup. Je te les ramène. Et on est good. Parlez à André. J'arrive, André. Yo. Les verres. Bravo, mon ami, bravo. Maintenant, tous les Français vont découvrir la fin du jeu de paume et voir au grand jour les vraies nuances de Jacques-Louis David. Ah, ils riront à en perdre la tête, je vous l'assure. Parfait. Une mission de plus. J'ai l'impression qu'on les enchaîne là. En fait, j'ai l'impression qu'on les enchaîne, mais j'ai l'impression de pas avancer non plus. On a fait que deux zones. Après, tu vas me dire 2 sur 9.